Bokertov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Pas n'importe quelle matinée, une matinée de Hanouka, de lumière, de miracle, mais aussi d'Erev Shabbat. Nous allons aborder aujourd'hui le troisième chapitre du Tanya, ce petit livre qui nous a été offert par le Rabbi Shneon Zalman de Liadier, qui nous apprend à découvrir qui nous sommes, comment trouver le bonheur, comment découvrir qu'est-ce que c'est le réel bonheur. Notre moi intérieur, notre vie. Installez-vous tranquillement, on va démarrer dans quelques instants. Oui, dans quelques instants. Bokertov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Aujourd'hui, ce matin, nous étudions pour le mérite de Yosef Ariel ainsi que toute sa famille, avec un grand Chazak au Baruch pour le soutien. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous envoie toutes les bénédictions et les miracles de Hanouka dans votre existence matérielle et spirituelle. Mais également, nous étudions pour la Refoua Shelema totale et complète de Sima Bat Esther Golda, que Dieu vous fasse que ces paroles de Torah puissent lui donner de la force, de l'énergie, du courage, et que l'on puisse véritablement vivre très rapidement, très rapidement, vivre la venue de Mashiach. Hein. Alors voilà, nous avons développé hier les deux parties. Nous avons développé déjà, entre hier et avant-hier, dans le premier chapitre et le deuxième chapitre du Tanya. Nous avons parlé de l'âme divine et l'âme animale. Nous avons démarré par l'âme animale qui est cette âme vitale, dirons-nous, qui va chercher, qui va nourrir, qui va donner la force et l'énergie à, en fait, tout ce qui peut être neutre ou tomber dans ce qui est dans l'impureté. C'est-à-dire que toutes les forces qui nous sont données et qui sont à notre portée,
à savoir manger, vivre, boire, chanter, danser, parler, travailler, vivre sur cette terre-là avec tout l'aspect matériel qu'il peut avoir dans cette vie-là, à nous de décider ce qu'on en fait, ce qu'on spiritualise, est-ce qu'on sanctifie, ce qu'on purifie, ou est-ce que tout simplement on a une vie qui est profane. Non, pas du tout, vous êtes d'accord, si on est là, c'est justement on a envie de comprendre et de saisir et de tout faire, de se battre pour sublimer notre vie, lui donner une certaine sainteté, oui, véritable. Et donc, on va développer ensemble aujourd'hui de quoi cette âme est constituée. Bah oui, parce qu'une fois que nous avons dit qu'il y a l'âme divine et l'âme animale, et qu'il y a ce combat intérieur dans ce corps-là de l'homme, on va nous expliquer qu'en fait, bah pour atteindre vraiment notre objectif, il faut s'atteler à la tâche. Et comment on s'attelle à la tâche? Bah tout simplement en apprenant à connaître cette âme-là, de quoi elle est constituée. Nous allons voir, la Kabbalah nous dit qu'il y a dans cette âme-là 10 forces qui correspondent aux 10 séphirotes. Les 10 séphirotes, nous en avons déjà parlé, c'est ces 10 forces-là que Dieu a utilisées, ces 10 réceptacles que Dieu utilise pour créer, pour façonner l'existence, pour façonner, créer le monde, lui donner son impulsion et vivre à travers, véhiculer sa divinité, son rayonnement, à travers ces formes-là qu'on va appeler les séphirotes, ces forces-là. Ces forces-là, elles se traduisent par des éléments très concrets chez nous. Ce n'est pas juste des noms. Ça va être une partie cérébrale et une partie émotionnelle. 3 cérébrales et 7 émotionnelles. Mais juste avant, j'aimerais quand même vous souhaiter un très très grand Lechaim. Et un Chanukah Sameach. Lechaim, 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 Lechaim. Alors, on va démarrer tout de suite. C'est le chapitre 3, si vous avez le livre avec vous. Chapitre 3 du Tania. Pere Gimel. Kol Bechina Umadriga Mishol Shelou. Il faut savoir que l'âme est constituée de ces 3 étapes, de ces 3 définitions, 3 facettes. Ce qu'on appelle le nefesh, ce qu'on appelle le roi ou le nechem. À chaque moment d'existence et de ce que nous faisons, de ce que nous vivons, nous nous exprimons à travers telle ou telle forme de l'âme. On sait qu'il y en a déjà 5, mais là on se concentre sur ces 3-là. Chacune de ces 3-là, c'est-à-dire nefesh, roi ou nechama, a en elle ces 10 forces-là, qui correspondent, comme on l'a dit oralement, par rapport à ces 10 séphirotes-là, supérieures, qui en découlent. D'accord ? Anechlekot lishtaim, qui sont séparés en 2. 2 groupes. Shalosh imot veshevak folot. On va appeler ça shalosh imot. Pourquoi ? C'est des matrices, si vous voulez. C'est des essentiels, qui sont les sources et les racines de ce qui vont donner naissance à quoi ? À ces séphirotes-là, qui sont en réalité les midot. C'est la raison pour laquelle elles sont appelées kfulot, elles sont appelées doubles. Les 7 sont appelées des doubles. Les shalosh imot, les 3 cérébrales, sont appelées des imot. Chazak, Moshe, Bokertov, Bokertov. Des imot, pourquoi ? Parce que c'est ces matrices-là, celles qui sont la source qui donne, comme une maman qui est la source de la vie qu'elle donne à son enfant. Les kfulot, les sheva kfulot, qui définit ici le Rabbi Shlomo Zalman, elles sont doubles. Pourquoi ? Parce que d'un côté, elles sont 7 séphirotes, okay, qui correspondent aux 7 midot, aux 7 vertus, ces traits de caractère qu'on a en nous. Et on va le voir tout de suite. Pérouche, expliquons ce que ça veut dire imot et kflot. Et pourquoi est-ce qu'on emploie ce terme-là? Il va nous le dire tout de suite, le Rabbi Shneur Zalman. Il nous dit chorma bina vadaat. C'est les 3 premiers, c'est-à-dire cérébral. La chorma, la sagesse, bina, la compréhension, daat, le savoir et la conscience. Shivatim yabinyan, pourquoi 7? Eh bien, c'est comme les 7 jours qui correspondent aux 7 jours de la création. Enfin, de la construction du monde, des 6 jours et le jour de Shabbat. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 jours et le jour de Shabbat? Il y a justement l'expression même de Dieu à travers ces 7 séphirotes-là. À savoir que le premier jour de la création, Dieu a mis en mouvement le chesed. Baruch haba, baruch haba, mon ami. Il a mis en mouvement le chesed, la vertu du chesed. Le deuxième jour de la création du monde, Dieu a utilisé la gevura. Ok? Chesed, Gevura, le troisième jour, Tiferet, ensuite Netzach, Od, Yesod, et jusqu'à Malchut. Elles sont doubles parce qu'en fait, elles sont aussi appelées ces 7 jours de la construction du monde. C'est par celle-ci que Dieu a créé le monde avec une vertu à chaque fois. Vikar Benefesh Adam, c'est ce qui se passe dans l'âme de l'homme. Nous sommes, vous le savez, tous et toutes, nous l'avons déjà dit, des petits mondes, chacune et chacun d'entre nous, nous sommes un petit monde. Et donc, on est constitué de la même manière que le monde a été constitué, et nous avons donc ces 7 forces en nous. C'est cette mode d'expression et de force, de potentiel. Chez Nechleket Ishtaim, elle est cette âme-là, séparée en deux, coupée en deux. Sechel ou Midot, l'intellect et les émotions. À Sechel, l'intellect, lui, de manière globale, Kolel, il inclut quoi?
Chochma bina vada'at, il inclut la sagesse, la compréhension et le savoir et la conscience. Via midot, et qu'est-ce que sont les midot? Midot, c'est les vertus, c'est les émotions. Quoi? Ben, c'est havat Hashem, c'est l'amour de Dieu. C'est l'expression même profonde de cette vertu de la bonté. Ou bien, ça peut être autre chose. Quand on exprime profondément, intérieurement, la rigueur qui est en nous. Mais pourquoi la rigueur? Ben, on utilise une forme de rigueur et de rigorosité. Pourquoi? Ah bah pour craindre Dieu. Et on sait que les deux éléments qui nous permettent, pardon, excusez-moi, de servir Dieu, c'est ces deux facettes-là. C'est comme les deux ailes de ce petit oiseau qui a besoin de s'envoler. C'est la hava et la ira, l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Ces deux éléments, c'est ce qui permet la construction, c'est ce qui permet la connexion avec Dieu. Ou pachado veirato, la peur et la crainte de Dieu qu'on peut avoir. On parle d'une peur craintive, hein. C'est pas une peur tétanisée, c'est une peur, c'est-à-dire on est conscient de l'immensité de Dieu. Bien ou le pharaon glorifia Kadosh Baruch Hu, qui vient de quoi? De justement l'expression de la vertu de Dieu qui se traduit à travers l'harmonie qu'il peut y avoir, la symbiose. Vechorma binavadaat, mikro imot ou makor amidot, ki avidot en toldot chorma amidot. Pourquoi est-ce qu'elles sont appelées imot, des matrices, des mamans, des mères? Parce qu'elles sont considérées comme quoi? Comme des sources et des racines de tout, à tout ce qui va se passer après, c'est-à-dire à ce qu'elles vont donner naissance. Elles vont donner naissance à ces Shiva, à ces Shiva Kvulot. Il s'agit bien là, de ces Shiva Kvulot. Pour comprendre un petit peu qu'est-ce que veut dire Chabad, Chochma bina da'at, c'est important de comprendre. Quand en fait on a une analyse intellectuelle, qu'on comprend quelque chose intellectuellement, il y a un processus, il y a plusieurs étapes. La première étape de base qui nous permet de comprendre quelque chose, c'est le point essentiel intellectuel, ce qu'on pourrait appeler le flash. Qu'est-ce que c'est le flash ? Le point de l'intellect qui rentre ne vient pas dans tous les détails. Quand on comprend quelque chose, on réfléchit à un problème mathématique, on réfléchit à une question philosophique, intellectuelle, on n'arrive pas à comprendre, c'est le brouillard, tout est flou, on ne voit rien. Et pourtant, à un moment, on va réussir à entrevoir la lumière. Vous le savez que quand on comprend et quand on saisit un point intellectuel qui nous permet de comprendre quelque chose, il faut tout de suite le faire suivre d'une deuxième étape, l'étape de la bina. La bina, c'est la compréhension. C'est le moment où on va prendre l'idée, on va la mettre sur le papier, on va la détailler, on va pétrir, on va aller dans les profondeurs. On va intérioriser cette idée-là qu'on a eue comme ce flash de Chochma. Dans un problème mathématique, ça voudrait dire, après la réflexion, tout de suite prendre son stylo et faire vraiment l'équation, hein, la concrétiser, non pas seulement une petite idée, parce que sinon elle s'en va. Avoir une superbe idée, une superbe invention, si tout de suite on n'approfondit pas le flash de l'invention, eh bien, elle s'en va. Donc, c'est ces deux étapes-là, la Chochma et puis la Bina. Ensuite, on peut appeler ça aussi, si vous voulez, comme un flash, oui, c'est un flash, en fait. C'est comme un flash ou l'éclair, comme ça, qui vient. La Bina, c'est celle qui va travailler en long et en large, elle va comprendre une chose parmi une autre, etc., dans la profondeur. On pétrit, vraiment. Et on arrive quoi? On arrive jusqu'à ressentir les choses. C'est quand on arrive aux dates. C'est-à-dire que tu as compris quelque chose, tu as analysé une question, tu as compris un principe, une forme de sagesse. Mais ça ne reste pas cognitivement intellectuel. Oui, ça touche le cognitif et ça va créer une conscience, jusqu'à même la pleine conscience où tu vas vivre, parce que tu ressens véritablement ça, et plus que de ressentir, tu vis à travers l'idée. C'est ça le date. Hein. Le date, c'est de réussir en fait à... Pardon, excusez-moi. Le dad, c'est de réussir à être tellement conscient de ce que j'ai compris que j'en fais ma vie, en fait. Je vis avec le message que je viens d'intégrer. Ça, c'est toute la différence avec juste comprendre quelque chose ou juste lire une philosophie ou une sagesse intellectuelle extérieure à ce que nous sommes. Nous, la Torah, un juif, quand il apprend quelque chose, quand il comprend quelque chose, il l'intègre. Ça devient lui, parce que c'est sa vie. Tout son corps devient le véhicule de cette sagesse-là, de ce savoir. C'est le lachon de da'at, mais lachon vers Adam, yada et trava. Vers Adam, yada et trava, c'est en réalité la conscience, mais pas seulement conscience, connaître véritablement. On appelle ça it kashrut, le fait d'être relié, rattaché l'un avec l'autre. Oui, il y a une seule chose, l'une avec l'autre, qui sont en symbiose totale. Ça, c'est le da'at. Après avoir compris, j'en suis conscient. Et donc, cognitivement, j'ai mis tout un système en route qui fait que je vis le message. Je ne suis pas extérieur au message, je le vis.
Regardons les mots du Tanya. Ve'uwa'inyan kina sechel shebanefesh amaskelet. Il faut savoir que l'intellect qui est dans l'âme qui intellectualise, on s'accroche. Oui, puisque l'intellect, lui, il est composé de ces trois étapes, nous venons de le dire. Du flash, de la compréhension et de l'assimilation. De quelle force nous parlons ici? Le Rabbi Shneur Zalman, il nous dit Shehu amaskil kol davar, celui qui comprend tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous parlons ici de celui qui a le flash de compréhension, de la chorma, ce petit flash, qui en réalité dans lequel il n'y a pas encore tous les faisceaux qui sont nés. Il n'y a pas encore tous les petits détails qui se profilent à l'horizon et qui permettent une certaine clarté de cette idée-là. Lui est appelé Nikra Beshem Chorma. Il est appelé Chorma. Pourquoi? Si on décompose le mot Chorma, nous avons Koachma, la force du pourquoi. Koachma, c'est quoi? C'est que quand une personne est capable de se poser la question et de se dire Ma, qu'est-ce que c'est? C'est qu'elle va chercher à comprendre ce qu'il est. Et quand on comprend ce qu'il est, ce potentiel, cette capacité que Dieu nous offre de comprendre ce qu'il y a derrière ou ce qu'est la chose, ça, c'est un potentiel, c'est une force que Dieu nous offre. Et c'est ça la chorma, le koachma, cette force qui nécessite, à un moment, une forme d'humilité, on le sait, une forme d'abnégation qui me permet de me mettre tellement en retrait que je me mets en condition pour pouvoir comprendre quelque chose qui est extérieur à moi. C'est ça la force du quoi, du pourquoi. J'extériorise et je fais sortir ce potentiel et je le concrétise. Je réfléchis dans mon intellect pour essayer de comprendre quelque chose, mais sur tous ces angles, dans tous ces détails. Donc je vais réellement construire une idée intellectuelle en long et en large. C'est-à-dire quoi en long? C'est-à-dire que je veux faire descendre dans mon intellect, qui est très très élevé, et qui ne saisit pas véritablement, sentimentalement, ce que j'ai pu comprendre. Je le fais descendre à un niveau bien moindre. Je vais utiliser, par exemple, parfois des allégories. Je vais utiliser, justement, l'exemple. Je vais utiliser toutes sortes d'outils qui sont à ma portée pour m'approcher de ce flash intellectuel que j'ai eu au moment où je réfléchissais et j'essayais de comprendre quelque chose. Petit à petit, par exemple, quand on va enseigner à un élève quelque chose qu'il ne connaît pas, un élément qu'il ne connaît pas, une sagesse qu'il ne connaît pas, eh bien, on va utiliser des allégories, on va utiliser des exemples, on va utiliser toutes sortes d'images qui vont lui permettre de se rapprocher de l'idée pour qu'il puisse intégrer l'idée qu'on a envie de lui faire passer. Et plus l'intellect qui reçoit ce que nous transmettons se raffine et évolue et comprend et saisit les principes, plus il grandit, plus ses réceptacles grandissent, plus ses potentiels grandissent, et plus sa compréhension aussi a grandi. Et plus il évolue. Vous savez que Shlomo HaMelech, on dit « Faïdaber Shelochet Alafim Machal ». J'imagine un petit peu ce que ça veut dire. Shlomo HaMelech, il a dicté 3000 exemples. 3000 exemples. La forme de l'exemple, quelque chose dans Chassidut, en Kabbalah, qui est expliqué, qui était extraordinaire, exceptionnel. Pourquoi le concept de l'exemple a été créé? L'idée même de l'exemple, de pouvoir donner un exemple, pourquoi est-ce que ça a été créé? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Pourquoi l'exemple? En fait, l'exemple, si vous regardez bien, c'est ce qui se rapproche aussi un petit peu du rêve. Dans l'exemple, on peut aller au-delà de tous les possibles. On est au-dessus de tous les contraires. La logique humaine, par définition, elle est logique. Et quand qui dit logique dit limité. Parfois, la limite fait que nous ne pouvons pas comprendre quelque chose qui est au-delà de nos limites. Un élément intellectuel, une notion intellectuelle que je ne saisis pas, que je n'ai jamais entendue, que je ne connais pas, dont je ne connais pas les tenants, les aboutissants, et même la matière dont elle est constituée. J'ai besoin d'aller chercher quelque chose qui dépasse les limites de ma logique, et ce qui me permettra de dépasser les limites de ma logique me permettra ensuite de comprendre dans ma logique cette notion-là qui dépassait ma logique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on est dans une forme de limite, on a besoin d'aller chercher de l'illimité pour aller sortir de cette limite. Ouais. Donc la logique des choses fait qu'on est limité, puisqu'on est conceptualisé de cette façon-là. Mais ça, c'est parce qu'on est dans des réceptacles de ce monde-là qui sont bien compartimentés avec des limites. Des couleurs différentes, des notions différentes, des goûts différents, des sensations différentes. Dès l'instant où j'utilise l'exemple ou le rêve, eh bien là, c'est au-delà de tous les possibles, c'est au-delà des limites. Dans un exemple, dans une allégorie, je peux imaginer ce que je veux. Je peux interpréter ce que je veux. Je peux donner vie à des notions qui peuvent me paraître contraires, diamétralement opposées,
et les faire cohabiter ensemble. Je suis au-delà de tous les possibles. Le fait d'être au-delà des possibles, au-delà des limites, ça me permet de comprendre et donc de sortir de mes limites. L'exemple est expliqué dans les textes du Likutei Torah, Tutoror, par le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, dans les textes de la Kabbalah, de la Chassid globale. On parle de ça comme quelque chose de très 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 puissant, l'exemple, l'allégorie. Les Midrashim, par exemple. Les Midrashim, on peut se dire, ah ben c'est une petite histoire, mais pas du tout. Les Midrashim, ça a plusieurs lectures, c'est une lecture très 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 profonde. Et plus on va dans la profondeur mystique, ésotérique, des notions qui sont relatées dans ces Midrashim, et plus on va sortir des limites de la logique, par définition. C'est la raison pour laquelle, dans ces histoires-là, vous avez la possibilité de voir, justement, qu'on sort de la norme. On se dit, ah ben non, mais c'est pas possible. Mais c'est parce que c'est pas possible, et que c'est au-delà de la logique, que ça te permet de comprendre quelque chose de plus fort. Ces 3000 méchalim que donne Shlomo HaMelech, c'est que, afin de pouvoir comprendre véritablement la chorma, afin de saisir la notion de chorma, de sagesse, Shlomo HaMelech, lui, il a dû mettre dans son cerveau, dans sa compréhension qui était simple a priori comme tout le monde, aller utiliser 3000 allégories, 3000 exemples. Vous imaginez ? Et chaque exemple lui faisait référence à un autre exemple, jusqu'à 3000, afin de faire descendre ici-bas la compréhension qui nous permettrait de comprendre ce qui est permis, ce qui est interdit, ou donner naissance à une compréhension qui serait plus grande. C'est la raison pour laquelle, ici, nous dit le Rabbi Shlomo Zalman, ou l'éomko, c'est ce qui va nous permettre aussi quoi ? Eh bien, de le comprendre, mais aussi de l'approfondir. Parce que dans chaque intellect, il y a une profondeur. Et dans la profondeur, il y a une autre profondeur. Et plus on avance dans la profondeur, plus on évolue dans cette profondeur. C'est infini, en fait. Presque. L'Echaim. Alors, comment on va approfondir ? Eh bien, quand on a une idée intellectuelle qui a été développée dans notre intellect, eh bien, dans ce que j'ai réussi à imaginer, dans cette idée-là qui m'est venue dans la sagesse, dans la chorma, je vais utiliser la bina, cette bina-là qui va prendre ce flash-là intellectuel et pétrir, et vraiment aller au fond de tout. Et ça, en réalité, ce chorma et ce bina sont appelés Av et Em. Dans la Kabbalah ou la Chassidut, V'enem Avaim. Ils sont appelés le papa, la maman, Amolidot, qui font naître, Ha'avat Hashem, V'igratou Farado, c'est ce qui fait naître l'amour d'Hashem, la crainte de Dieu, qui fait partie quoi ? Du groupe quoi ? Des Midot, du deuxième groupe, c'est-à-dire des traits de caractère, des vertus, la façon avec laquelle nous ressentons les choses, les émotions. Maintenant, quand est-ce qu'elles naissent ces vertus-là intellectuelles à partir d'un message intellectuel, ces émotions comment les émotions, les traits de caractère peuvent naître, ok, d'une idée intellectuelle ? Elle est où la question ? La question, elle est simple. Puisque la chorma et la bina, c'est quoi ? C'est des idées intellectuelles froides, de l'intellect, du cerveau. Ça n'a aucun rapport avec le ressenti du corps, ou le ressenti du cœur, le ressenti de l'âme, ce qu'on veut. Comment je ressens véritablement à travers mes traits de caractère un message intellectuel? Comment ça se fait qu'il peut y avoir cette connexion? A priori, on est dans deux planètes différentes. Là, on est dans du ressenti, et là, on est dans de l'intellect. C'est froid, et là, c'est chaud. Enfin, c'est pas du tout pareil. Comment on réussit à faire les deux? Et là, Mme Razaken va nous expliquer. C'est ce que va faire d'ailleurs le Da'at. Mais c'est le but. Comment? Parce que l'intellect qui se trouve dans l'âme, qui réfléchit, d'accord, qui imagine, quand il va aller dans son cerveau et il va réfléchir, il va approfondir encore et encore. Excusez-moi un petit instant. Parfait. Ok. Qui a Sechel ? Qui a Sechel chez Nefesh Amaskelet ? Parce que le Sechel qui est dans le Nefesh Amaskelet. Excusez-moi. Hein. Vous êtes avec moi, vous ne bougez pas parce que j'ai juste un petit souci avec le texte qui apparaît ici. J'ai compris. Parfait. C'est parfait.
qui a sechel chez benefesh amaskelet, parce que l'intellect qui est dans l'âme de l'homme, et on va en même temps, hein, alors pour ceux qui suivent dans le Tania exactement, on va aussi faire la partie de Shabbat, hein, puisqu'en l'occurrence ici la partie de ce Yom Shishi est assez courte. Et vous le savez, on essaye de faire aussi le vendredi la partie du Tania qui correspond à celle du Shabbat, hein, pour être bien dans le rythme de tout et ne rien rater. Qui a sechel chez benefesh amaskelet, chez kishim idbonen, ou maamik, meok, bigdulat Hashem, echumel, et kolalmin, sovel, kolalmin, kulakamek, et lachashiv, nolda, venitora, midatirat, aromoud, bemocho, machashavato, lira, ou lidvoshen, bigdulat, et barer, chez inasof, et achlit, ou bachad Hashem, bilibo. On va déjà expliquer ça. La partie cognitive est très très importante dans la vie d'un homme. Oui, c'est ce qui lui permet de créer une connexion entre l'intellect et les émotions. Nous avons la chorma, nous avons la bina. C'est le père et la mère qui donnent naissance à des émotions. Le da'at, qui est positionné à la partie arrière du crâne, lui va ressentir, il va traduire ce que j'ai pu intellectualiser, il va relier ce qu'il a compris à de l'action, à du ressenti, à du vécu. Ça ne reste pas complètement intellectuel, je le traduis dans des émotions, des traits de caractère. Maintenant, comment le process se met en route? Comment quelque chose d'intellect devient et fait naître des émotions? Alors on l'explique. Parce que l'intellect qui se trouve dans cette âme qui réfléchit, quand elle réfléchit, qu'elle approfondit, elle pense, elle réfléchit à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, je me lève le matin, ok, je fais mon dernier, je me lave les mains, et puis, la belle journée va commencer. Et là, je regarde par la fenêtre, et puis il fait nuit. Je me dis, ah, j'ai du mal à voir la grandeur de Dieu. J'attends un petit peu, puis je vois le soleil qui se profile à l'horizon, et là, j'ai la possibilité de voir la beauté et la grandeur de tout ce que Dieu a créé. Maase Hashem. Et là, je réfléchis à Dieu, je réfléchis à ce Créateur, je réfléchis à toutes les forces qui sont en moi. Et je me dis, mais ça, c'est exceptionnel. Qu'est-ce que ça fait naître en moi? Ça fait naître en moi quoi? Eh bien, la crainte face à la grandeur de Dieu. C'est comme ça qu'elle naît, la crainte. Si on fait abstraction de ce que nous regardons, si nous n'analysons pas l'environnement dans lequel nous vivons physiquement, matériellement, oui, en effet, on a du mal à percevoir véritablement la grandeur de Dieu, à ressentir de la crainte de Dieu, à ressentir de l'amour de Dieu. Je vais réfléchir à Echume Malekolamin, comment Dieu, il remplit tous les mondes. Ça veut dire quoi, comment il remplit? Ça veut dire comment il donne de la vitalité à chaque élément du monde. Il donne de la vitalité divine, d'accord? De la même manière que l'âme remplit tout le corps, remplit tous les membres du corps, et que l'âme, elle donne et elle nourrit, et elle diffuse de l'énergie à chaque membre de notre corps, et bien c'est pareil. Cette lumière, cette vitalité divine, c'est celle qui s'habille dans chaque créature. Il n'y a aucune créature sur terre, mais aussi céleste, qui ne peut exister sans cette vitalité divine. Donc moi, je vais réfléchir à ça. Et cette réflexion-là, comment Dieu, il se révèle à travers chaque petit détail dans chaque élément de la nature, de chaque créature. Ensuite, je passe à la deuxième étape. Je réfléchis, vais sauver Kolamin. Je réfléchis, comment est-ce que Kadosh Baruch Hu, lui, il existe, il se vit à travers la lumière, la vitalité divine qu'il y a, au-delà même des mondes dans lesquels nous vivons. On parle de cette lumière divine qui est une forme comme ça, qui englobe, qui entoure. Quand je réfléchis à tout ça, okay, je réfléchis aussi au principe de Kulakamek et la Hashiv. En effet, à tel point que, tellement j'approfondis cette idée que je me rends compte que tout n'est rien pour Dieu. Puisque tout est Dieu et tout est rien et tout est tout. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout ce qui existe, c'est Dieu. Tout ce que je vois et qui a une apparence qui me paraît comme quelque chose qui serait indépendant de Dieu n'existe pas parce que tout est Dieu. Et quand je prends conscience que rien n'existe sans Dieu, donc ça me fait prendre conscience de l'annulation, de la non-existence réelle de cet élément-là, indépendamment de la vitalité divine qu'il y a chez lui et en lui. Et puisqu'on est totalement annulé, le fait de réfléchir, d'approfondir comme ça, le fait de créer comme ça une technique, un entraînement musculaire, mais de la crainte de Dieu, de l'amour de Dieu. Réfléchir, un peu comme on va faire son jogging le matin, réfléchir tous les jours et approfondir l'idée de la crainte de Dieu. C'est quoi? Avant même de la crainte, prise de conscience, comment Dieu remplit tous les mondes, remplit chaque créature de manière précise, intérieure, en fonction des limites de chaque créature, c'est-à-dire que la lumière et la vitalité qu'il va mettre dans une petite plante verte n'est pas la même vitalité et la lumière qu'il va mettre dans un arbre qui serait puissant, qui est là depuis des dizaines, des centaines d'années,
On imagine que c'est pas la même énergie. C'est pas la même énergie que l'on va retrouver chez un petit animal, un petit oiseau. C'est pas la même chose. Je réfléchis à ça. Vous allez me dire, oui, mais ça, on le sait, oui. On sait que c'est différent, oui, chaque créature. Non, mais faut y réfléchir. Le fait d'utiliser mes neurones et ma partie intellectuelle, cognitive, mettre tout ça au service de cette réflexion, déjà, par définition déjà, eh bien, ça lave, ça rince, ça raffine. Ça fait en sorte que toutes mes capacités intellectuelles s'élèvent, se sanctifient. Vous allez me dire, oui, mais ça, c'est des idées. Ok, une fois que j'ai compris que Dieu est partout, ok, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'y penser tous les jours? La meilleure réponse, c'est comme le plus grand des sportifs. Et nous sommes tous des super grands sportifs. Oui, on est des sportifs de la vie. On veut vivre une super vie, connecté avec Dieu, ne pas perdre un instant de notre existence. Bon, si on veut être des sportifs de la vie, qu'est-ce qu'on doit faire comme un sportif qui s'entraîne tous les jours? On va dire, mais je comprends pas, tu sais, t'as compris comment il fallait courir, pourquoi est-ce que t'as besoin de t'entraîner tous les jours? T'as compris, le coup de raquette, oui, tu l'as? Ok, c'est bon, pourquoi tous les jours tu dois passer 8 heures d'affilée à travailler ton revers pour arriver le jour du match et gagner ta partie, ou même pas, des fois ne pas la gagner? Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est l'entraînement, même si tu as compris le geste, tu t'entraînes. Et là, Tania, il nous donne un élément qu'il faut intégrer. Il nous donne une notion qu'il faut intégrer, qu'il ne faut jamais lâcher dans notre vie. Il faut comprendre qu'aller réfléchir à la présence de Dieu, même si ça nous paraît, allez, on se dit, c'est bon, j'ai compris, pas du tout. Eh bien, c'est comme un sportif. Tous les jours, on doit passer plusieurs minutes, à approfondir, à juste réfléchir à la grandeur de Dieu. Et ça, on peut le faire toujours, partout, tout le temps. Eh oui. On peut étudier, il faut étudier. Et il y a des moments où on ne peut pas étudier parfois. Eh bien, on est dans la rue, on réfléchit à Dieu. On a la possibilité de regarder le ciel, on pense au ciel et on pense à Dieu qui est dans le ciel. Je vois un petit oiseau qui passe, je pense à cet oiseau-là et je me pose la question de qui le nourrit, comment il se nourrit, de quoi il est constitué, de sa couleur, de sa forme, de sa beauté, de sa grâce, de son envolée. Enfin, et réfléchir à chaque petite chose comme ça, c'est réfléchir à la vitalité divine et la lumière divine qui s'adapte à ce réceptacle et à cette créature-là. Et à force de réfléchir et d'approfondir cette idée-là, eh bien, ça fait naître en moi quoi? Ça fait naître en moi quoi? Ça fait naître ou de la crainte ou de l'amour. En tout cas, les deux, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que je prends conscience de la grandeur de Dieu. Penser à quelqu'un que l'on apprécie, ça nous fait l'aimer ou le craindre. Penser à un sujet, ça nous fait vivre ce sujet. On intègre, on vit avec le sujet qui est dans notre pensée. Donc, penser à Dieu, approfondir l'idée, approfondir sa grandeur, comment est-ce qu'il est partout, rentrer dans les détails. Comment est-ce qu'il est dans les détails, donc dans les limites d'un réceptacle, et comme on l'a dit, comme il est aussi, de quelle façon il existe à travers le sauveur, c'est-à-dire cette lumière qui est en dehors même des petits réceptacles limités, mais qui en fait est une lumière qui est illimitée, donc qui nous influence. Et comme on l'a dit, réfléchira, kulakame kelachajib, comment nous ne sommes rien. Ça fait naître, comme on l'a dit ici, nolda minitorea midatira torumud bemocho machashavoto, ça fait naître la crainte de la grandeur dans le cerveau et la pensée, l'ira ou l'idboshesh, d'arriver à craindre. Ira ou l'idboshesh, c'est un petit peu la crainte de la honte. Vous savez, il y a la crainte de face à la grandeur de Dieu, ou la crainte face à la grandeur de quelque chose, d'un élément ou d'une personne. Il y a aussi parfois la crainte de la honte. C'est-à-dire que ça s'exprime par une forme de honte, une crainte même d'honneur. On se dit, mais comment est-ce que je peux être ce que je suis face à cette immensité-là, énergie et de lumière que Dieu utilise pour donner vie à chaque élément du monde? Je suis quoi, moi, face à tout ça? Donc, on a une forme de honte. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on est devant une personne qui est grand, qui est sage, un très très grand sadique. La crainte que l'on a, c'est qu'on baisse la tête, on a honte, on se fait tout petit, quoi. Parce qu'on est conscient de l'honneur qu'il a et de ce que nous sommes. Et puis, ce décalage fait que face à la grandeur, on se sent tout petit. Il est très grand, on est tout petit. Bon, ça nous met dans une posture un petit peu de forme de honte, de timidité, quoi, de retrait. Comment ? Migdoulato idbarech et nasofet achlit, de la grandeur de Dieu qui n'a aucune fin ni but dans le sens où atteignable, puisque ça ne s'arrête jamais, jusqu'à la peur qui vient même dans le cœur. Ça veut dire que là, si vous regardez bien, jusqu'à maintenant, on a parlé la façon avec laquelle cette réflexion-là va faire naître en moi une forme de crainte et d'amour, mais plutôt positive. Et là, on va aller même du côté, entre guillemets, et rigueur. C'est-à-dire, ça va faire naître en moi pachad Hashem belibo. Pachad dans le sens où la grandeur, la prise de conscience de la grandeur, ça fait naître en moi une forme de crainte qui s'exprime à travers la rigueur. Et encore une fois,
cette réflexion à la grandeur de Dieu, elle va amener quoi? Et le réveil de la vertu de Chesed et le réveil de la vertu de Gevura, les deux. D'un côté positivement, c'est-à-dire je suis dans une démarche où je vis vraiment le message de la crainte de Dieu. Je suis vraiment. C'est pas tétanisé. Quand on dit tétanisé, c'est positivement. Ça veut dire je me comporte pas de la même manière. Quand je suis conscient de la valeur d'une personne qui est en face de moi, c'est pas que j'ai peur. C'est juste que je fais attention à ce que je dis, je fais attention à ce que je fais. J'ai une forme de respect. Et cette forme de respect-là, c'est cette forme de crainte qui fait que je vais me comporter d'une manière ou d'une autre. Donc, en effet, ça touche et mon côté chesed, mon côté droit, mon côté bonté, et mon côté gvura, le côté de ma rigueur. Donc, véchouv, et encore une fois, ça va faire naître donc. Ça va faire naître encore une ébullition dans mon cœur d'amour véritable, mais un amour véritable qui va se traduire par cette Gevura. Alors vous vous souvenez, dans le premier chapitre, nous avons parlé des différents éléments qu'il y a dans le monde. Nous avons le feu, nous avons l'eau, nous avons le souffle, nous avons la terre. Les quatre fondements sur lesquels le monde est basé, les énergies créatrices, les énergies qu'il y a dans chaque créature de Dieu. On le sait que le feu, il peut être aussi positif. La Gevura est aussi positive. La Gevura, ce n'est pas juste de la rigueur négative. La Gevura, ça peut être aussi une forme de rigourosité. Vous voyez, être rigoureux, être carré, avoir des principes, se fixer des buts. Hein, on avait eu l'occasion de parler des traits de caractère. La Gevura, elle est positive. Et le feu, qui aussi vient de cette Gevura-là, il est aussi positif. Il peut être dévastateur, il peut brûler, il peut tout détruire. Mais il peut aussi être l'élément déclencheur d'un amour foudroyant et d'un amour qui va rayonner, qui va briller, qui va brûler, qui va nous donner envie de nourrir cet amour que l'on a pour HaKadosh Baruch Hu. Comment? Ben regardez les mots qu'il dit ici le Rabbi Shlomo Zalman. Bachashika, Vachafitsa, Uteshuka, Venefesh Shokeka. Différentes expressions qui expriment l'amour, le désir, la passion, la fougue, l'envie que l'on a de se rapprocher de Dieu. Les Gdoulat Ensof, Baruch Hu, que l'on pourrait avoir pour l'infini du Saint béni soit-il. Et à tel point qu'on peut arriver jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'on appelle Klot HaNefesh. Klot HaNefesh, c'est un niveau qui est tellement grand où l'homme, il ne peut même plus vivre sur cette terre-là. Matériellement, il se sent complètement consumé par le désir et la passion d'être avec HaKadosh Baruch Hu, d'être relié, d'être attaché à Hachem. Donc ça, c'est du concret, hein, c'est pas juste une image. Parce qu'il est tellement transi, il est tellement dans cette émotion-là d'amour et de prise de conscience de la grandeur de Dieu, qu'il se laisse complètement aller à cet amour pour Dieu, et il se détache de cette matière. C'est pas ce qu'on nous demande. Mais là, c'est important, le Rabbi Shlomo Zalman, il nous parle de ce qui peut exister. Chaim el Chaim. Cet amour-là peut devenir cette fougue-là véritable. L'âme va ressentir un amour infini, à tel point qu'il n'existe plus pour ce qu'il est lui, mais pour cet amour. Tout ce qu'il va être, il va vivre cet amour pour Dieu dans toute son existence. Comme il est dit comme ça dans le texte, « Kidirtiv nirsefa vegam talta nafshi » Mon âme a été complètement consumée. « Vegomer uktiv tsama nafshi l'elokim » Encore une fois, des termes qui nous montrent de quelle façon on ressent les choses. « Tsama nafshi l'elokim » Mon âme a soif pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire soif? Soif, ça veut dire une sensation de manque. Quand on aime véritablement Dieu et qu'on est conscient de sa grandeur, quand on n'est pas dans cette connexion-là, quand on aspire à cette connexion, qu'on sent qu'il nous manque quelque chose, comme quelqu'un qui a soif, c'est-à-dire qu'il y a une sensation de manque, on doit pouvoir vivre aussi notre connexion avec Dieu comme cette sensation de manque, qui nécessite des efforts pour aller épancher cette soif-là. Vea Tzimaon, d'où vient là le Tzimaon? Umisota esh shebanefesh elokit. Ce Tzimaon-là, cet assèchement vient de quoi? De la base qui vient du Hesh, du feu, mais qui est dans l'âme divine. Comme il a été expliqué par les Chachamim de la Kabbalah, comme c'est dit aussi dans le Etzraim, chez Soda Hesh ou Balev, que le fondement même et la base du feu, c'est dans le cœur. Et que la base même de l'eau et de toute l'humidité vient du cerveau. Ça, ben, tous les experts vous le diront, c'est ce qui se passe. Toute la partie, toute cette substance liquide, et dans le moar, dans le cerveau, c'est du liquide. Alors que le cœur, ça va être quelque chose qui est beaucoup plus du hesh, du feu. Et là, il nous dit quelque chose d'autre, le Rabbi Shlomo Zalman, encore un petit élément qu'on va développer. Il nous dit que ça, c'est ce qu'on appelle la chokhma.
C'est d'ailleurs, c'est la partie Moar, le cerveau qui s'exprime à travers la sagesse. Pourquoi? Parce que la Chorma s'est appelée aussi Ma'im, c'est appelé de l'eau pour l'âme divine. De l'eau qui provient de l'âme divine. L'eau qui provient de l'âme divine devient cette Chorma-là. Le cœur, c'est un endroit où on ressent, où il y a les sensations, les émotions. C'est chaud, un petit peu comme le feu. Le cerveau, c'est un endroit qui est intellectuel, qui est pensé, qui est réfléchi, qui est adapté, qui est logique. Et tout ça, c'est quoi? C'est de la froideur. La froideur, c'est pour ça qu'on dit qu'on refroidit une idée par notre intellect. On a une information qui arrive, si on l'envoie directement au cœur, le cœur, il va réagir au quart de tour, il va réagir avec son émotion. Et souvent, c'est négatif, parce qu'en fait, il n'est pas réfléchi, le cœur. Il ne va pas jauger, il ne va pas juger comme il faut. Quand on envoie l'information à l'intellect, l'intellect, lui, il va refroidir la situation. Il va analyser, il va prendre du recul sur ce qui est en train d'arriver. Il va calmer un petit peu tout ça. C'est la froideur de l'esprit. On voit clairement la différence qu'il y a entre une personne, par exemple, qui est très émotionnelle, très émotif, quelqu'un qui est plus quelqu'un qui envoie le message à son intellect. Il ne réagit pas du tout de la même manière. C'est la même chose, si vous voulez, ce qu'on appelle dans les potentiels de cette âme divine. La chaleur et l'emballement de l'amour vient de l'expression du cœur et de ce cœur-là qui est en nous. Et de cet élément-là, de ce vécu-là qui vient du cœur et qui crée ces émotions d'amour et de passion, eh bien, on peut faire naître quoi? Ben, l'amour de Dieu, qui peut même devenir ce qu'on a dit, le klot hanefesh, l'âme qui se consume complètement et qui ne veut même plus vivre, parce qu'elle veut être complètement en Dieu, dans Dieu. Et puis de l'autre côté, nous avons en réalité le cerveau qui lui est calme, qui est posé, qui est stable. Et la compréhension et l'analyse des événements à travers le regard et le sceptre intellectuel nous permet de calmer, de poser, de réfléchir et fait en sorte que la kavana, l'intention que j'ai pour Dieu, je la dirige comme il faut et que je ne vais pas me brûler les ailes, je vais construire quelque chose de tranquille, serein, comme il faut. Ça, c'est une capacité importante, c'est quelque chose d'important. Pour pouvoir quoi? Pour accomplir la Torah et les mitzvot de manière tranquille et sereine. C'est aussi important. Ça va calmer un petit peu le feu, non pas de me faire perdre de l'amour que j'ai pour Dieu, non, mais de stabiliser tout ça, d'assimiler tout ça. Je vais faire en sorte que, en fait, le cerveau, il va calmer un petit peu le cœur quand il va un peu trop loin. C'est-à-dire que cet amour-là ne sorte pas des limites dans lesquelles Dieu veut que nous vivions, parce que Dieu veut qu'on vive dans un monde qui, lui, a des limites. Et toute cette force-là, ça veut dire réussir de réussir à faire rentrer cet infini qui est Dieu, l'amour, la crainte que j'ai pour Dieu, qui me donne envie de me détacher de cette terre-là. Et le cerveau, il est là pour me dire, non, tu calmes, cet amour-là, il va falloir que tu l'adaptes à la vie dans laquelle tu es, à ton corps, à ton esprit, à ta vie sociale, à ta vie familiale. Tu l'adaptes, c'est-à-dire que tu la fais redescendre, cet amour. Maintenant, ça, on a parlé principalement de quoi? On a parlé de la Chorma et de la Bina. Mais on sait très bien qu'il y a le Da'at, là, qui est juste après les deux, Chorma et Bina, dans la partie cérébrale. Et ensuite, on a toutes les autres midotes. On a les sept qui viennent après. Alors, elles sont quoi, toutes ces autres midotes? Chez Midot, on nous dit ici, les autres midotes, elles sont appelées Kulan en Anfea Ira Ve'ahava Vitoldoten. Elles sont appelées ces petites branches-là, ces feuilles qui proviennent de cet amour et que ce qui en découle. Comme il est expliqué un petit peu plus loin. On va pouvoir comprendre comment est-ce que les autres cinq midot vont pouvoir naître. Comment? De quoi? Mais de ce Chochma et de ce Bina. Chochma et Bina sont appelés, nous l'avons dit, le père et la mère de toutes les autres vertus. Quand on réfléchit à la Chochma et la Bina, on utilise la Chochma et la Bina, on arrive à créer la suite. La Chochma, c'est appelé le père. D'accord? Pourquoi est-ce que le père? Vous souvenez, dans la partie qu'on a étudiée hier, on a parlé, on a dit que l'homme, Béné Israël, il venait de nous, il venait de la partie la plus élevée d'Akadosh Baruch Hu. On vient de quoi? On vient de la pensée de Dieu, c'est-à-dire la partie la plus raffinée, la plus élevée, la plus subtile. Chez l'homme, quelle est sa partie la plus élevée? C'est la partie cérébrale, la partie du cerveau, la partie de la tête, de la sagesse. Et nous avons dit que de la même manière que la goutte, la petite graine que le papa y sème quand il s'unit à son épouse, et qui permet le miracle de qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, de donner naissance à un enfant, d'où vient cette graine-là? Elle vient du mohar, du cerveau du père, et que dans cette goutte-là, il y a tout, de les forces que cet enfant-là va avoir pendant toute sa vie. On l'a dit aussi, expliqué qu'il est très important justement de se sanctifier pendant ces moments-là, parce que quand on se sanctifie, on est capable de donner à l'Neshama d'un tzadik, peu importe qui nous sommes, peu importe notre niveau,
si on se sanctifie à ce moment précis, comme ça vient de la partie la plus élevée de l'homme, la partie mort, qui cette partie-là de Chorma, de sagesse, se relie à la sagesse d'Hachem, alors, dans cette petite goutte-là, il va y avoir tout ce que l'on pourrait lui donner de meilleur, toutes ses forces, mais à nous de décider quel niveau de sainteté on a envie de lui donner. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette Chorma-là? Il y a le potentiel de toute la naissance, de tout ce que l'enfant aura. Il y a déjà, comme on l'a dit, jusqu'à l'énergie et la lumière qui permettra à l'ongle du petit pied de l'enfant d'avoir, et quand il va grandir aussi. Tout va dépendre de ce qu'il a reçu à ce moment-là, et tout va dépendre de ce cerveau-là qui va donner naissance à cette petite goutte. On voit un petit peu l'influence et la force que peut avoir le cerveau. Mais bizarrement, enfin pas bizarrement, c'est intéressant de voir que qu'est-ce qui donne naissance à ça? C'est pas le cœur, c'est le cerveau. Le cerveau, lui, il est froid, il est intellectuel. Alors qu'est-ce qu'il y a de spécial? En fait, de la même manière que dans ce cerveau-là du père, il y a déjà tous les membres de l'enfant. Ils sont assez abstraits, on ne les voit pas, il y a le potentiel de tout ça. Ensuite, ça va naître, ça va grandir, à travers la gestation, dans le ventre de la maman, et puis quand l'enfant est grandi, petit à petit. Mais les membres, ils sont tous là. Eh bien, dans la chorma, dans la sagesse, c'est pareil. Au début, dans le point, le flash intellectuel, qu'est-ce que nous avons? Nous avons en fait toute la suite de ce qui va naître de cette idée intellectuelle, de cette sagesse-là. Les conséquences émotionnelles sont déjà dans le petit message, dans le petit flash que nous avons eu intellectuellement. Dans ce flash-là, il y a tout, comme cette petite goutte. Il y a tous les membres de la gestation, on pourrait dire ça ainsi, de l'idée intellectuelle. Qu'est-ce qu'elle va, où est-ce qu'elle va aller? Dans quel domaine elle va être approfondie? Jusqu'où elle peut être approfondie? Et l'impact, l'influence qu'elle va avoir, cette analyse intellectuelle, cette sagesse-là? Qu'est-ce qu'elle va faire naître? Quelle émotion elle va faire naître? Quelle vertu elle va faire naître? Où est-ce qu'elle va trouver sa place? Jusqu'où on pourra aller avec elle? Ça, tout est déjà dans le petit flash intellectuel, dans la sagesse. Et ensuite, de la même manière comme dans cette allégorie de l'enfant et de qui naît du papa et de la maman, et la maman de la même manière que la maman, elle, pendant toute la période de la gestation, c'est elle qui va permettre à tous les petits détails des membres de l'enfant de se dévoiler, de se matérialiser. La même chose, la force de la bina, c'est quoi? C'est de séparer, de dévoiler tous les petits détails de l'intellect qu'il y a eu au moment du flash, et à ce moment-là, donner naissance à ce qu'il va y avoir juste après. Mais là, pour l'instant, nous avons juste quels sont les donneurs de tout cela. Mais les midot, on n'a pas encore vu comment ça se passe. C'est-à-dire le transfert, là. Qu'est-ce qui fait ce transfert entre cette partie intellectuelle et cette partie ressentie? Il faut bien qu'il y ait une étape, puisqu'on est dans deux mondes différents, comme nous l'avons dit tout à l'heure. La partie cérébrale et émotionnelle n'est pas la même. Vient le da'at. Ve'ha'da'at, et là le Hadmor HaZaken nous dit le da'at umi leshon ve'ha'adam yada itrava. Le mot da'at, ça veut dire la conscience, le savoir, vient du langage. Quand Adam Arishon s'est uni à Chava, eh bien le texte nous dit ve'ha'adam yada, il a connu. Mais qu'est-ce que ça veut dire il a connu? Pourquoi da'at? Pourquoi ne pas nous dire qu'ils se sont tout simplement unis? Parce que le da'at, ça veut dire itkashrut, se relier, itrabut, s'attacher, se relier. C'est-à-dire de relier, d'attacher notre savoir, notre sagesse, notre conscience avec un nœud, avec quelque chose de tellement fort, on va fixer dans notre pensée avec force et puissance la prise de conscience de la grandeur de Dieu, de l'infini, du Saint béni soit-il, à tel point que notre intellect et notre sagesse, notre savoir ne s'en écarte jamais. Ça veut dire qu'à aucun moment on oublie et on met de côté le fait qu'on soit juste des créatures de l'infini du Saint béni soit-il. Et que l'infini du Saint béni soit-il se révèle toujours en nous. Ça, c'est la force. C'est ça, Veitaka. Le Da'at, c'est la pleine conscience. C'est je vis à 100%. Je dirais même plus, à 110% le message. Il n'y a aucun moment où je me sens éloigné de ce que j'ai pu comprendre de la grandeur de Dieu. Non, je le vis. J'ai compris, ça a fait naître en moi quoi? Ça va faire naître que toutes mes émotions, tous mes traits de caractère vont se mettre au service de ce que j'ai compris. Les chaïm, et on va finir. Là, on a bientôt fini, hein, dans quelques lignes. Ki af mishu chacham venavon migdulat ensof baruch hu. Écoutez, ça, c'est très important. Celui qui veut juste apprendre la Torah de manière intellectuelle, s'intéresser, et de se dire, bon, c'est pas grave, si je ressens pas... Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis pas un émotif. Voilà. Moi, j'étudie,
je comprends, c'est magnifique, c'est beau la Torah, mais bon, moi j'arrive. Non. Non, la Chassidoute, elle nous apprend que la Torah, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas un livre philosophique, c'est un livre qui est là pour nous faire passer un message, pour nous faire prendre conscience et qui nous permet de nous attacher véritablement et de vivre la connexion avec Dieu. Même celui qui est sage et qui comprend la grandeur de l'infini du Saint-Béni soit-il, ok ? S'il ne fait pas ce travail-là de connexion avec sa conscience, et s'il ne fait pas ça, c'est-à-dire de fixer sa pensée, et dans sa pensée, comme on l'a dit tout à l'heure, comme ce sportif qui, tous les jours, va à l'entraînement. Et un juif, c'est un sportif qui est à l'entraînement. Un sportif du divin, si vous voulez. Est-ce que vous voyez un petit peu le terme qui est employé ici? Ça veut dire avec force, ou betmada, avec constance. Constance. C'est-à-dire que tous les jours, à chaque fois, à chaque moment, jamais je ne vais déroger à la règle. Je vais toujours m'asseoir, fixer en moi la grandeur de Dieu et l'analyse de sa grandeur, de sa présence, de l'infini. Si je ne fais pas ça, lo yolid benafsho ira ve'ava amitit kim dimyonotcha, il ne pourra pas faire naître dans son âme de la crainte et de l'amour véritable, si ce n'est quoi ? Juste comme ça. Une image, une ressemblance. Tu peux comprendre tout de Dieu. Tu peux analyser tout ce que tu veux. Mais si tu ne t'assois pas de temps en temps pour réfléchir à la grandeur de Dieu et fixer avec constance, de manière régulière, bien établie, avoir une liste à faire et se dire tous les jours, dans toutes les courses que j'ai à faire, est-ce que j'ai passé quelques minutes pour penser à la grandeur de Dieu ? Eh bien, ma compréhension de la grandeur de Dieu, elle peut disparaître, à ce shalom. Pourquoi ? Ça restera juste comme ça une image. Ah oui, il y a une notion comme ça, Dieu existe, il est partout, il remplit tout le monde, il est aussi sauvé, il est extérieur, etc. Ah, on est tous rien devant Dieu, ah oui, c'est une belle idée. Oui, ça reste juste des idées, mais ta réalité à toi, elle est complètement autre. Tu vis dans les limites du monde. Tu veux vivre une réalité, c'est-à-dire la vraie réalité divine et sainte, dans le monde et dans ce que tu vis dans ta vie de tous les jours, il faut que tu regardes tout avec les yeux de Dieu. Et c'est quoi ? Avec la conscience que Dieu est partout, tout le temps, à chaque instant. Donc ça doit être Bechosek ou Beatmada. Veaken, Adat ou Kiyumabdot Vechayutan. C'est la raison pour laquelle ici il nous dit ce savoir-là et cette conscience, cette connexion du Da'at qui va relier ce que j'ai compris à ce que je ressens, c'est la raison pour laquelle c'est lui qui permet la vitalité et même le maintien et l'existence même des émotions qui vont venir vivre après. Parce que sans lui, sans ce Da'at-là, eh ben, d'un côté ce que j'ai compris, ça reste froid, puisque je ressens, ça reste complètement dans une autre planète, dans un autre monde. Parce qu'en effet, c'est deux mondes différents. Vers Canada, Tokyo, Mamido, Tributan, Vu Kolel, et lui, dans le Da'at, il y a déjà Chesed et Gvura. Il y a déjà dans le Da'at la capacité de donner les énergies qui permettent de faire naître les Midot, que ce soit la bonté ou que ce soit la rigueur, ce qui sont appelés aussi Ahava Ve'Anfia, l'amour et tout ce qui découle de l'amour, Ve'Ira Ve'Anfia, et Vanafia, la crainte et tout ce qui découle de la crainte. Donc il faut absolument qu'il y ait cette étape de Da'at. Et Bezrat Hashem, dimanche, on parlera de quoi ? On parlera justement de la deuxième partie, à savoir des Midot. Qu'est-ce que ça veut dire le Chesed ? Qu'est-ce que ça veut dire le Gvura ? Le but ici, c'est quoi ? C'est de comprendre qu'en fait, chaque membre qui nous a été créé, nous a été donné pour être développé. Et à chaque fois qu'on va travailler en conséquence, qu'on va agir en conséquence, ben on aura la possibilité de vivre le message d'Akadosh Baruch Hu et de l'imprégner en nous, d'être dans cette pleine conscience, la véritable. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous dis un très très grand lichaïm. On va faire une petite halakha. Et la halakha de ce jour-là, ce sera ce que le... même si parfois on le connaît, mais c'est important de le rappeler. C'est de vous rappeler que le rabbi Yosef Yitzhak avait instauré cela, mais aussi le rabbi de Lubavitch, et nous avait fait ça comme une promesse. Celui qui accomplit cette promesse-là, il aura de la bénédiction pour lui, pour ses enfants et ses petits-enfants. Vous imaginez, c'est quand même sympa. Ça vaut le coup de respecter cela. Ça demande un peu d'effort. Shabbat Mevachim cette semaine. Vous imaginez un petit peu ce Shabbat. C'est exceptionnel. Shabbat de Hanouka. Shabbat Mevachim. On va bénir le mois de Tevet. Et le mois de Tevet, c'est un magnifique mois. C'est un grand mois, attention. C'est un très grand mois.
Eh bien, d'ailleurs, c'est un mot, pourquoi c'est un mot, moi, qui est important, ouais. Parce que Chav Zayin Teret, c'est mon jour anniversaire. Eh ouais. Donc c'est un jour où, Bezrat Hashem, on pourra faire un super cours, et à Kodesh Baruch Hu, il va renouveler ses forces, sa vitalité, et ce sera exceptionnel. Bon. Alors regardez, il nous dit quoi ? Que le Shabbat Mevarechim du mois, quand on bénit le mois, c'est important de se lever tôt le matin. On doit étudier la Chassidut avant la Tfila. Ça, c'est même pas une question. Pour comprendre justement ça, la grandeur de Dieu et l'intégrer. Mais lire tous les Tehillim. Du premier jusqu'au 150e. Tous les Tehillim avant la Tfila le matin. Hommes, femmes, enfants, faites-le. Vous allez voir, ça n'est pas moi. Hein. C'est le Rabbi de Lubavitch qui l'a dit. Et comme le Rabbi de Lubavitch le dit ici dans le Hayom Yom, d'ailleurs, de Shabbat, du Chavav qui se lève, il dit voilà, le matin, se lever tôt, se rassembler, dire tous les Tehillim, ensuite étudier la Chassidut, et après la Tefila, faire un petit va'adout, se réunir, dire des mots de Torah, se réunir, s'apporter chacun et chacune à quelque chose, à quelqu'un. Et comme ça, eh ben, espérer la meilleure des choses. La venue de Mashiach Tzidkenu, qu'on puisse étudier Bezrat Hashem très rapidement ensemble sur l'esplanade du Beit HaMikdash avec la venue de Mashiach Tzidkenu Bekarov. Mamash, je vous souhaite un excellent Shabbat et une super fête de Hanouka. Une super fête de Hanouka. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Je vous rappelle que nous avons étudié aujourd'hui par le mérite et le soutien de Monsieur Yosef Ariel, ainsi que de toute sa famille, qui soit béni pour cela, dans tous les domaines matériels et spirituels. Je compte sur vous. Amen ve amen. Allez-y, amen ve amen. N'hésitez pas à partager, à liker. Je vous dis à très bientôt. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire ? Lech Adoni litkat gala Pene Shabbat nekabela. Shabbat nekavela shamo vezachon bedibureha ishemiyanu kelameyuchan ah Hashem echad ushemo echad leshemu tiveret veri tehila. Shabbat nekavela lecha dodi likrat gala pene Shabbat nekavela. Shabbat shalom uvorach, Hanouka sameach, et des bonnes nouvelles pour chacune et chacun.